En 1915, la guerre d'usure s'impose comme nouvelle stratégie. Comment vivent les soldats sur le front? Face à l'ennemi, les hommes s'enterrent et creusent des tranchées. Elles sont construites la plupart du temps sur quatre lignes et sont disposées en zigzag pour gêner les tirs d'artillerie adverses. Au-dessus, sur plusieurs mètres, des murs de fil barbelé couvrent le sol et se révèlent de véritables pièges à hommes. Les soldats, les poilus comme on les appelle, sont en général assez mal nourris. Mauvais pain, mauvais biscuit, mauvais vin composent le repas du soldat lorsqu'il n'est pas au combat. Pour améliorer l'ordinaire, certains organisent un marché parallèle avec des paysans ou des commerçants de la région. Sur le front, les hommes dorment toujours habillés dans des casemates protégées par des masses de terre ou bien à même le sol sur des paillasses. Mais les tirs réguliers d'artillerie empêchent souvent de trouver le sommeil. Attendre l'attaque, c'est le quotidien du combattant. Alors, pour tromper la peur d'une mort à venir, les soldats se distraient comme ils peuvent. Ils jouent aux cartes, confectionnent des objets, lisent les journaux ou donnent des nouvelles à leurs proches. Mais on ne peut pas tout écrire. La correspondance entre le front et l'arrière est sévèrement contrôlée par la censure, car le moral des populations ne doit pas fléchir. Et pour ceux qui n'ont pas de famille, on crée les marraines de guerre qui correspondent avec un ou plusieurs soldats. Mais voilà l'heure du combat. Les hommes se rassemblent. Certains craignent des attaques de gaz. Avant l'assaut, les deux camps se livrent d'abord à un duel d'artillerie. Ces bombardements ont pour but, entre autres, de détruire les barbelés et les mitrailleuses ennemies. Après quelques heures, l'officier donne l'ordre d'attaquer. À l'assaut ! Les combattants, courageusement, s'extirpent de la tranchée. Mais certains, paralysés par la peur, refusent de sortir. Pour les autres, ils doivent courir vite et franchir rapidement le No Man's Land sous le feu nourri de l'ennemi. Les survivants pénètrent dans les tranchées adverses. Les combats se font alors au corps à corps et sont d'une violente férocité. Enfin, voilà la fin de l'attaque. Il faut maintenant ramasser les morts et les blessés. Des services d'ambulance sont organisés et font sans cesse le va-et-vient entre le front et les hôpitaux de campagne. Après les combats, certains partent en permission. Mais comment vit-on la guerre là-bas, loin derrière les lignes? À l'arrière, beaucoup de choses ont changé, et en particulier les mentalités. En ville, la main-d'œuvre est insuffisante, les femmes remplacent les hommes presque partout. Dans les usines, aux commandes des tramways, et même sur les toits des immeubles pour nettoyer les cheminées. L'économie tout entière se concentre sur la fabrication d'armes destructives. C'est la guerre totale. À la campagne aussi, les femmes remplacent les hommes et dirigent les exploitations agricoles. À l'arrière, l'horreur des combats est mal connue. De vastes campagnes de presse et d'affichage orchestrées par les gouvernements désinforment les populations et appellent à la solidarité nationale. Pour les poilus, le retour au foyer est parfois difficilement vécu, et il n'est pas rare que les hommes préfèrent retrouver rapidement leurs camarades de combat. Mais sur le front, la lassitude gagne les deux camps, des mutineries éclatent, et certains sont fusillés pour l'exemple.